Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message, les énergies de ce jeudi 29 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, l'affirmation positive pour cette journée, je fais confiance à mon intuition. Elle me mène là où je dois aller. Je fais confiance à mon intuition. Elle me mène là où je dois aller, vous le redites encore une fois. Et aujourd'hui, j'ai pigé rencontre, une belle rencontre d'âme à âme. Eh bien, ça y est, pour certains d'entre vous, il y a une rencontre qui se profile pour vous. Vous allez faire prochainement une rencontre importante. Il se fait que vous attirez à vous des personnes intéressantes qui partagent votre vie soit pour un laps de temps, ou bien alors plus ou moins long. C'est parce que cette rencontre, eh bien, vous avez fait le deuil de ce que vous avez vécu. Il a fallu du temps. Ça peut être évidemment une rencontre au point de vue professionnel, une rencontre amicale, une rencontre amoureuse, ça peut être aussi une rencontre de collaboration. Mais voilà, cette rencontre, elle vient parce que vous avez fait le deuil d'un passé. Il s'agit peut-être aussi d'une reconnexion intérieure aussi. Une rencontre, eh bien, de vous avec vous, même nécessaire. Pour apprendre à vous connaître et savoir ce qui vous rend heureux. Eh bien, cette carte, n'est-ce pas, que j'ai pigée aujourd'hui, elle présage une bonne entente, vraiment, une bonne entente avec, eh bien, votre entourage. Une rencontre est un bienfait pour vous. Même s'il s'agit d'une personne que vous ne connaissez pas, qui vous croise dans la rue et qui vous sourit, en vous souriant, eh bien, elle vous apporte de la joie et de l'énergie. Voyez, cela veut dire que vous êtes réceptif, réceptive à ce qui se passe à l'extérieur. Vous n'êtes plus fermé, donc vous avez fait ce travail en vous. Toutes les rencontres que vous faites changent votre vie à différents degrés, n'est-ce pas? Certaines seront, eh bien, marquantes et d'autres passeront inaperçues, mais elles vous apporteront toutes quelque chose. Chaque personne que vous rencontrez est un agent de l'univers qui participe à votre évolution. N'oubliez jamais que vous êtes quelque part un pourcentage des personnes que vous rencontrez. Il y a un certain pourcentage. Alors, lorsqu'une personne quitte votre environnement, eh bien, il ne faut pas être triste, c'est que vous ne vibrez plus sur la même fréquence et que vous avez appris, l'un et l'autre, ce que vous aviez à apprendre ensemble. Et là, ben, on vous demande de tout simplement accepter le fait qu'elle quitte, voilà, vous avez appris avec cette personne et vous ne vibrez plus, vous n'êtes plus sur cette même longueur d'onde, mais ça a été bénéfique parce que vous avez appris de cette personne. Mais là, il y a une belle rencontre qui arrive, vraiment. Soyez réceptifs à toutes les opportunités autour de vous. Et aujourd'hui, autorisez-vous à faire, eh bien, de nouvelles rencontres. Parce que ce travail que vous avez fait sur votre passé, il est bien là. Et c'est pour ça que cette rencontre, elle est juste là. Elle attend que vous ouvriez cette petite porte.
Donc ça peut être une rencontre amicale, amitié, amoureuse, une reconnexion à quelque chose, une reconnexion à vous-même aussi, hein. Ça peut être une rencontre en collaboration au point de vue de votre travail. Ça peut être une rencontre au point de vue d'un achat aussi. D'un achat d'un appartement, d'un achat d'un véhicule, d'un achat. Ça peut être une rencontre âme-sœur. Une association aussi, hein. Vraiment, c'est large, la rencontre dans tous les domaines. C'est allez, c'est une très belle carte pour moi, très positive. Et les affirmations positives que je vais vous donner aujourd'hui, eh bien, je vois en chaque nouvelle rencontre une occasion de répandre l'amour, par exemple. Je fais toujours des rencontres agréables. Ça, c'est l'amour, c'est l'affirmation positive. Toute rencontre, quelle qu'elle soit, m'apporte de la joie et du bonheur. En toutes circonstances, j'attire à moi des personnes magnifiques. Oui, si vous êtes dans cette dynamique positive, parce que si vous êtes dans une dynamique négative, vous allez attirer à vous du négatif, des personnes négatives. Donc, soyez vraiment très, très, très positif. Que ce soit à l'intérieur, extérieur de vous, n'est-ce pas? Ayez vraiment de belles ondes positives, des vibrations positives. Et chaque jour, je rencontre des personnes merveilleuses. Eh bien voilà, très belle carte, très beau message, n'est-ce pas? Pour certains d'entre vous dont ça parlera. Je termine avec le petit oracle des fées. Et aujourd'hui, j'ai pigé. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Eh bien voilà, ça c'est vraiment très 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 positif, n'est-ce pas? Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour le dernier message de cette semaine et le dernier message du mois, malgré qu'on sera le 1er mars demain. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée. On se retrouve, eh bien oui, demain. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.